Salut à toi, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de la préparation de sol que j'ai effectuée en vue d'un semis de trèfle. Trèfle, pourquoi est-ce qu'on le sème? Pourquoi est-ce qu'il nous intéresse sur la ferme? Parce que c'est une légumineuse, c'est-à-dire que c'est une plante qui a un super pouvoir. C'est de pouvoir capter de l'azote dans l'air, parce que l'air est constitué à 80% d'azote, et grâce à des bactéries, de le rendre disponible dans le sol, disponible pour d'autres cultures après, comme par exemple du sorgho, admettons. Et puis en plus, c'est une alimentation exceptionnelle pour les animaux. C'est comme la luzerne, c'est un peu la Rolls-Royce des fourrages. C'est une alimentation que les vaches apprécient énormément. Alors voilà, là pour ce faire, j'utilise tout simplement, donc il y a eu un labour qui a été effectué après épandage de fumier et de lisier sur le champ. C'est un champ qu'on a récupéré cette année, c'est la première culture qu'on y fait dessus, et donc on a besoin de l'amender, de nourrir la terre pour qu'elle soit fertile en fait, tout simplement. Et pour qu'aussi le fumier puisse apporter des éléments minéraux, azote, phosphore, potasse, qui seront nécessaires au bon développement des cultures qu'on va semer, et également qui sera nécessaire pour alimenter toute la petite vie qu'il y a dans le sol. Alors, pour travailler aujourd'hui, pour reprendre, faire ce qu'on appelle une reprise de labour, le labour a tendance à faire des vagues, et donc là j'utilise une herse rotative. C'est en fait plusieurs pales, on va dire. Il y a deux dents qui sont sur un palier et qui vont tourner. Et donc ça, j'ai ces paliers sur 3 mètres. Donc j'ai plusieurs dents qui vont tourner, qui vont mouliner et qui vont avoir plusieurs rôles. Donc le rôle d'ameublir le sol, donc on voit le labour, ça fait des mottes qui ont séché, et le but de l'herse rotative, je vais vous chercher de la terre. Donc le but de l'herse rotative, c'est de m'affiner mon sol, de casser les grosses mottes et de me faire de la terre fine. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de la terre fine? Tout simplement parce que, et notamment sur des petites graines comme la luzerne, le trèfle ou même le colza par exemple, plus les graines sont petites, plus elles vont avoir besoin d'un terrain fin et meuble pour pouvoir correctement se développer et correctement germer. Le deuxième rôle de la herse rotative, ça va être d'aplanir le terrain. Donc c'est important de semer sur un terrain plat, et également pour le semis, le trèfle se sème très peu profond, à moins d'un centimètre. Donc il faut être très précis sur la profondeur de semis, parce que si on sème trop profond, la graine est tellement petite qu'elle n'a pas assez de réserve pour pouvoir sortir de terre. Donc il faut vraiment qu'on la sème, même l'idéal c'est 0,5 cm pour que la graine ait une germination optimale et qu'elle se développe aussi dans les meilleures conditions sans être gênée. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il faut un sol fin. Parce que comme plus le sol va être fin, plus la culture va pouvoir développer ses racines facilement et également germer facilement. Donc c'est des critères qui permettent de réussir l'implantation d'une culture. Aujourd'hui, donc deuxième jour de préparation là, du sol. On est J+1 après le passage de la herse rotative. Et donc là, je passe l'outil que vous voyez derrière. C'est tout simplement un rouleau. Alors, c'est un rouleau de Kuma, donc qu'on a à plusieurs agriculteurs. C'est un outil de plombage du sol. C'est-à-dire que je vais rappuyer le sol. Je vais le... En fait, rappuyer le sol, c'est compacter
mais à une puissance beaucoup plus faible. Parce que faut bien différencier ces deux termes. Le compactage, c'est néfaste pour le sol. Ça chasse l'air, ça tasse le sol et ça ne permet pas un bon développement et une bonne vie du sol. Tandis que rappuyer le sol, au contraire, ça va être très, très positif pour conserver la fraîcheur dans le sol, recréer de la structure dans le sol et ici, dans ce cas-là aussi, casser les dernières mottes qui sont un petit peu trop grosses. Alors, on a prévu de semer là dans la semaine. Depuis la semaine dernière même, il fait plutôt très beau et même assez chaud. Donc on a enfin des conditions vraiment optimales pour semer notre trèfle violet. Donc on va profiter de ce créneau de beau temps. Et donc là j'ai repris donc hier mon labour avec la herse. Au départ on pensait avoir besoin de passer un deuxième coup de herse. Mais finalement, étant donné que ça fait du super travail, on n'aura pas besoin. Par contre, je roule mon travail que j'ai fait hier quand même pour être sûr de conserver un maximum de fraîcheur pour offrir aux graines de trèfle qu'on va semer une germination optimale, des conditions de germination optimales. Et également, ça permet de casser les dernières mottes qui sont certaines mottes qui sont un petit peu encore grosses et qui seraient un petit peu gênantes. Donc là, c'est pareil, ça fait un super boulot, ça fait un billard. L'intérêt aussi du rouleau, c'est de finir d'égaliser. Comme je vous expliquais hier, mon passage de herse rotative avait mixé toute la terre sur les 3 mètres de la herse pour aplanir le sol. Et là, cet outil de plombage va finir le travail. Voilà que j'ai fini mon chantier, donc le roulage m'a pris à peu près 1h30 pour rouler les 5 hectares qu'on a ici. Je roule à une vitesse d'à peu près 7 km/h parce que c'est une vitesse qui me plaisait pour bien rappuyer le terrain et bien casser les mottes. En plus, je prenais mon champ de travers par rapport à mon dernier passage de herçage pour vraiment finir de couper les mottes qui étaient les plus grosses. Donc ça a brassé un petit peu, donc je préférerais rouler un petit peu moins vite. Sinon, je suis super content du résultat. Il n'y a plus qu'à semer, franchement. Les dernières grosses mottes se sont cassées. Il reste bien sûr quelques mottes un peu plus grossières, mais ça c'est normal et puis il y en a besoin. Et puis après, le roulage que j'ai effectué là va permettre de conserver la fraîcheur parce qu'elle aura un petit peu plus de mal à remonter et à sortir de terre. Donc ça c'est top, là on a des conditions idéales pour semer. Donc maintenant on n'attend plus que le bon moment, on va préparer tout ça et puis d'ici la fin de la semaine, là je vous fais la vidéo, il est mardi, donc d'ici la fin de la semaine on aura semé notre trèfle. Donc là pour le semis, il ne restera plus qu'à combiner du coup la herse qu'on a vue hier et le semoir. Donc ça, on va tout atteler le semoir sur la herse. Et puis derrière, on passera un coup de rouleau pour continuer, pour vraiment préserver un maximum de fraîcheur.
Et puis enfin, il n'y aura plus qu'à attendre que ça germe. Voilà, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser tout plein de questions dans les commentaires, j'y répondrai. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont posé des questions, ça m'a permis de savoir ce que vous avez envie de savoir. Et donc, ça m'a donné des idées de vidéos pour les prochaines. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!